étranger. Et c'est pour ça que je travaille. Pour que le problème soit résolu. Peuple haïtien, c'est ma frère. Je vais te promettre pour me faire un courant 24 heures sur 24. Je ne vais pas arriver à faire ça dans le délai que je souhaitais. Je vais profiter de gros jours pour m'excuser devant nous. Moi, je suis mal évalué la force qui est en face de moi. La force, ça, yo, puissant en pile. Je prends forme à la couleur, yo vle, l'air, yo vle, côté, yo vle, pour que le système pèse sous ça en place. Et je capture l'État des petits cocons, tap goumé et berigène. Je contrôle les plus grosses institutions nous avons dans le pays ya, pour défendre les privilèges et les intérêts. Nous tout ouais à clair. Dans qui niche couleuvre moi fouiller même. L'aime décider engager dans une série de réformes en dedans pays ça. Mais te prend courage moi avec des bois. Moi te mettre quand son dans taille moi. J'en nous te mandé me li pour me te faire ça. Mais j'aime je dis là. Moi comprendre me connaît ça qui bon pour pays là. Même Abdi, nous, peuple haïtien, la taille a dit en pile. Il dit en pile, en pile. Mais pas de personne. Moi, je dis, pas de personne qui puisse faire passer l'État. Là, il décide de mettre l'ordre dans des ordres. Moi, je comprends toute souffrance et misère dans la pandémie. Mais pas jamais oublié. Moi dis nous ça. Pas jamais oublié. Que c'est dans mi-temps nous. Moi sorti. Moi pas qu'à trahir nous. Et moi pas jamais trahir nous. Bagaille difficile, c'est vrai. C'est dans tête ensemble. N'a pas joué une bonne solution. Pour retirer pays à. En bas d'un coulève sept têtes ça. Qui c'est blackout. Six facturations. Insécurité. Pauvreté extrême. Contrebande, fraude et évasion fiscale, non accès à bon gens crédit. Bagay sa yo, c'est yo qui mette Haïti dans le calfou dangereux ça qui est lié aujourd'hui. C'est yo qui mette pays ya sous route misère et sous-développement. Bagay sa yo, c'est yo qui fait groupe politique vle faire affrontement yon ak l'autre. Et bagay sa yo, c'est yo qui inspire m. Qui dit que je dis assez yo pour me combattre. Mais ce n'est pas Frem qui est en opposition politique pour me combattre. Profitez de 1er janvier 2021 pour message là. Que m'a parlé, que m'a dit depuis campagne électorale moi. Pour me dire tout le monde qui décide de faire politique dans le pays. C'est pour nous mettre nous ensemble. Pour nous capables de joindre bon gens accord, pour nous capables de joindre bon gens solution, pour nous capables de mettre un gouvernement campé, pour nous aller résoudre ensemble le problème du peuple. Peuple haïtien, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le 1er janvier 1804, nos ancêtres nous ont donné une nation. Cette nation, c'est la source des motivations de nos raisons d'agir. Toutes les mesures de développement ou de bien-être font référence à un cadre national. La construction de la nation est préalable aux initiatives et aux décisions devant conduire à plus de bonheur collectif. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons pas réussi à nous construire cette maison commune qu'est la nation haïtienne. L'État lui-même s'est érigé contre la nation.
Il est donc venu le temps d'expliciter cette idée programme selon laquelle nous proposons de transformer l'État pour transformer la société. En fait, notre pays n'est jamais sorti du pacte colonial, des structures coloniales de Saint-Domingue. Les anciens esclaves devenus paysans ont continué pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier à produire les denrées que les bords de mer exportaient aux anciennes métropoles coloniales. Ils n'ont jamais eu ni route, ni école, ni hôpitaux, ni eau, ni électricité. L'État, notre État, n'a servi qu'à garantir les conditions de reproduction de cet ordre post-colonial. Tout l'État a servi à perpétuer cet état de choses. Ceux qui continuent à s'enrichir trouvent normal qu'ils ne paient pas de taxes, trouvent normal qu'ils ne puisse exister aucune compétition, trouve normal qu'il fixe les prix aux consommateurs et surtout quand ce consommateur c'est l'État lui-même. L'État en somme n'existe que comme source de rente sous différentes formes. De cette façon, des groupes se sont enrichis sans jamais participer à l'effort de production, de création de richesses. Ils se sont enrichis aux dépens de l'arrière-pays, du pays en dehors, qui maintenant peuple nos quartiers défavorisés. Nos élites n'ont jamais su construire la nation où tous pourront se retrouver pour la poursuite de rêves communs à nous tous. Il est regrettable que les quartiers défavorisés soient aujourd'hui instrumentalisés pour la poursuite d'objectifs contraires à l'idéal de Dessalines de construire une nation aussi pour ceux dont les pères sont en Afrique. Comment ne pas nous le rappeler en ce 1er janvier, date à jamais sacrée dans l'histoire des libertés. Transformer l'État pour transformer la société. C'est mettre fin aux multiples liens par lesquels l'État est tenu en otage pour l'empêcher de répondre à ses fonctions primordiales de renforcement de la cohésion nationale, de garantir la sécurité des frontières, des vies et des biens, de collecter les ressources nécessaires à la réalisation de ses fonctions, bref, de se mettre au service de la nation. L'État doit prendre le contrôle des frontières par le contrôle des douanes maritimes, terrestres et aériennes. L'État renforcera la cohésion nationale et sociale par la sécurité des voies routières qui permettront aux personnes et aux biens de circuler librement, par le renforcement de nos institutions scolaires, par des programmes d'action civique pour des jeunes de toutes les couches sociales. Cette transformation ne se fera pas sans résistance, qui prendra des couleurs différentes et qui, pour se justifier, développera des discours faussement rassembleurs. Encore une fois, nous invitons tous les fils et toutes les filles de cette nation, toutes les forces sociales, économiques et politiques, toutes les élites à construire un lendemain meilleur pour les générations à venir, à être positifs, à ne pas chercher de prétexte pour encore une fois rater l'occasion de se retrouver sur le chemin de l'histoire ensemble. L'histoire ne nous pardonnera pas, vous et moi. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons nous donner la main, nous asseoir autour d'une table pour discuter ensemble des réformes qui permettront au pays d'être gouverné, d'être mis sur les rails du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce début d'année, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever tous ensemble, dans la fraternité, dans le respect des lois de notre pays, de nos institutions, dans l'esprit de concorde nationale. Haïti
est pour nous un précieux héritage. Chérissons-le, aimons-le, sauvons-le. En ces temps difficiles, croyez-moi, je consacre toute mon énergie, toute ma force, toute ma volonté au service de la paix, de l'unité et du progrès de notre cher et beau pays. Chers amis, partenaires de l'international, le peuple haïtien vous sera infiniment reconnaissant de l'avoir accompagné tout au long de l'année 2019 qui a été somme toute épuisante pour nous tous. Le peuple haïtien compte sur vous pour les jours et les années à venir. Bonne et heureuse année 2020 à vous tous et à vous tous. Vive la République! Vive Haïti, je vous remercie. Kounia, c'est parade la meilleure.